mon Dieu, les filles, waouh. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui c'est ma meilleure journée. Oh, je ne peux pas y croire. Oh. Jean, oh, c'est tellement Jean, bien. Nous l'avons finalement fait. Yes. Après tous ces stress, nous avons finalement fini. C'est fait. Après tous les stress. Oh, merci Seigneur. Dieu merci, oui. Oh. Ça a marché. Ah oui, ah oui. Ah, c'est ça. Nous avons finalement fini. Oh. Yes. Yes. Je suis vraiment impatiente. Je suis impatiente de voir mon père et ma soeur. Vous vous rappelez du directeur? Ça fait qu'il dit n'importe quoi. Je imagine vous dis, un peu. Tu sais qu'une fois, c'est ma GS. GS, c'est ah, quoi? Ah, vraiment, ma chérie. Moi, je suis impatiente. Imagine jusqu'à ce que je vais dormir. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Ah oui. On a fini. Oui. Yes. Ah oui. Ouais. Maman. Magnifique chérie. Maman. On y va. Oui. Bienvenue. Merci. Organisé. Hé. Maman. Regarde-la. Vraiment. Oh. Maman, tu m'as beaucoup. Enfin. Tu m'as beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Maman. Vous m'avez honorée. Je suis tellement fière de vous. Merci. J'ai béni le maman. Seigneur pour vous avoir conduit jusqu'ici. Je ne cessais de prier pour vous, jour et nuit. Mmh. Et je bénis vraiment? Dieu parce que vous et on est là en bonne santé, maman. Ah, oui. 4 bonnes années, ce n'est pas du tout facile. Faire une année de cours de patriotisme oui. au service de la nation. Oh, ah, félicitations, mesdames. Ok, bien. On va essayer de pratiquer ce que vous avez fait. On va faire la marche. On y va. 1, 2, 3. Regarde maman, t'as raison. Oui, allons-y. Allez, derrière moi. Gauche, droite, 1, 2. Gauche, droite, 1, 2. Ah, maman. Maman, non, oui, vraiment. Très beau. Ah, 1, 2. D'accord, mon chéri. Allez vous changer dès que vous finissez ah, maman, de passer à la table. D'accord. J'ai fait un repas très délicieux pour maman, vous. Je t'ai fait confiance. Non, maman, on arrive. Pas, on arrive, maman, on arrive. Dépêchez-vous, ah oui. Allez vous changer, je vous attends. On va manger ensemble. Vous voulez que je sois devant oui, maman. Ou pas? Maman, maman, qu'est-ce que tu fais là? Derrière moi. Ah, ah, avec on va, nous, on va se changer. Plus, d'accord, il n'y a pas de souci. Hey! Ah, maman, vraiment. Maman, Ka. Tu n'as même pas demandé comment va le faire, Meka. D'accord. Meka, c'est comment? Il va bien, tu l'as beaucoup manqué. Ok, prends soin de toi, je vais mettre un Izzy, allons-y! Oh, ouais, bye, bye bye, oh! J'aime bien! Maman, Adabo, mon chéri! Adabo, Aladi! Comment tu veux comment ton argent, ma fille? Chérie. Ce jour aussi spécial.
que son âme continue de reposer en paix. Mais il y a des choses qui viennent avant d'autres choses, tu vois. Donc il faut aller de pas à pas. Tu me comprends? Aussi longtemps tu fais ce qu'il faut faire. Mais tu n'as pas encore pensé à Emeka. Emeka a fréquenté ces lieux depuis que tu nous as quittés pour aller faire des études. Il s'est beaucoup plaint, disant que tu ne répondais même pas à ces messages qu'il t'écrivait. Vraiment, il s'est plaint amèrement qu'il ne pouvait pas se connecter en ligne. Papa, tu sais, ça, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas facile qu'il me trouve en ligne. Car pour l'appeler, je monte sur l'arbre avant de te rejoindre et avoir le réseau. Juste, t'inquiète pas pour lui. Et à propos, je ne sais pas ce que je suis encore intéressée à lui. Non! Tu viens de dire quoi là, Cindy? Donc, tu n'es pas sûr qu'il t'intéresse encore? Papa, pardon. Comment? T'inquiète pas pour Emeka. Je veux les gérer moi-même. S'il te plaît. Tu vas les gérer toute seule. Tu vas les gérer toi-même. Oui. Réfléchis bien, Cindy. Réfléchis bien. Papa, je suis en train de penser. Oui, c'est ce que je dis. Si tu réfléchis, alors réfléchis bien. Papa, comment va oncle Ikem? Ikem est là. Il est malade il y a déjà un bon moment maintenant. Oui, tu dois vraiment aller le voir. Même quand j'irai voir mes amis, je vais passer par là. Ah. Merci beaucoup. Cette nourriture était vraiment très lourde. Franchement. Merci beaucoup. Hé, maman. Maman, merci. Oh, maman. Merci énormément. Maman, merci énormément. Nous avons beaucoup aimé la nourriture. Oui, maman. Cette nourriture était très douce. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, oh, je vous prie de vous adapter avec moi. Je sais que la nourriture n'était pas aussi délicieuse, mais je promets de m'améliorer la prochaine fois. Maman, arrête. Ne le dis plus. Cette nourriture que j'ai mangée, c'était très délicieuse. Oui, maman. La nourriture était délicieuse. Écoutez, c'est pas parce que c'est ma mère qui me prépare. Il est vrai qu'il y a Est-ce que vos mamans peuvent faire ça? Et parle-nous de ça. Peux-tu alors préparer comme ta mère? Écoutez, je suis très fière de vous. Vous avez tellement rempli mon cœur de joie. Je verrai que vous ne manquez de rien. Je vais vous nourrir comme il faut. Je viendrai maman, très tôt, à 6 heures. Je vais très bien manger les fous. J'aimerais manger les fous. Et qui va le piler? Ne vous inquiétez pas, je le ferai pour vous. Maman, écoute, je prendrai moi-même un très gros poisson. Je vous jure. Tu repasseras très bien équilibré. Maman, merci. Merci beaucoup. Maman, pardon.
On m'a dit que mon oncle est malade. Donc, je dois passer par là pour lui rendre visite et C'est très gentil de ta part. Au fait, cet homme a beaucoup souffert. Cette maladie a pris du temps. Il n'y a pas de problème, tu peux aller le voir. Salut-le de ma part. Je le ferai, maman, merci. Désolée, maman, je veux que Jeanne vienne avec moi. Il n'y a pas de problème. Elles peuvent aller avec toi. Merci beaucoup, maman. Ok, on est prêts. C'est bon. Maman. Maman, garde la nourriture à la maison. Nous devons débarrasser la table. Jésus-Christ. Eh oui. Oui, partons. Maman, merci. De rien, ma fille. Ne le mets pas là-bas. Prends ça. C'est moi qu'on a envoyé. Je vous connais très bien. Prenez soin de vous, hein. Je reviens. Oui, alors. Bah, il y a tantôt. Il n'y a pas de souci. Dis-lui que je suis pas là. Pourquoi? Ah, ferme ta bouche. Bonsoir, tonton. Comment tu vas? Je vais bien. Grande fille. Et ta soeur, elle est à l'intérieur? Ma soeur. Ouais. Ma soeur m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Demander de me dire qu'elle n'était pas là. Oh, désolé, non. Qu'est-ce que je dis? Je mens. Désolé, c'est lapsus. Elle n'est pas là. Oui. Est-ce qu'elle t'a dit là où elle allait? Non, elle ne m'a rien dit. Ouais. Peut-être elle serait allée chez son amie, donc j'irai la chercher là-bas. Ta sœur t'a demandé de me dire qu'elle n'était pas là. Non, elle ne m'a rien dit. D'accord, j'irai la chercher son ami, mais s'il te plaît, dis-lui quand elle arrivait que j'étais passé la chercher. Toutefois, j'irai la chercher chez son ami. D'accord. Bye bye. Il est parti. C'est quoi la signification de tout ça? Qu'est-ce que je fais? Qui veux-tu dire par ma sœur a dit de te dire qu'elle n'est pas là? N'est-ce pas que tu m'as dit ça? Peux-tu fermer ta bouche? Ça va chez toi? Hein? Tu me pousses à mentir, je n'aime pas ça. Regarde-moi ça, tu n'as jamais menti avant. Tous les mensonges que tu dis à papa là-bas, c'est parce que je ne sais pas. Je ne mens plus, je ne fais plus ça. Tu n'as jamais menti. Ce n'est pas bien. Sérieusement, Cindy, ce garçon
t'aime réellement. Et j'ai pitié de lui. Regarde, mon souci est que quand Emeka sera fatigué, il va prendre ses affaires et... Tu vois cette décision, hein? Personne ne l'enlèvera au nom de Jésus. Et après cette souffrance, jamais ma soeur. Que veux-tu dire? Pourquoi ne pas t'ouvrir à lui? Dis-lui tout, dis-lui la vérité. C'est comme si tu ne comprends pas, hein? Tu sais qu'on vient à peine de finir l'université. Oh. Je n'ai pas ou je ne veux pas une personne pour me déranger. Car je sais qu'Emeka va définitivement mourir. Comment d'abord je vais commencer? Et je ne vais pas, c'est fini entre nous. Dis-moi d'abord, comment est-ce que je vais commencer? Tu sais que ce n'est pas facile, non? Ah, c'est regarde ce que tu fille. Dis. Hey, pardon, pardon. C'est comme si tu ne comprends sérieusement. Pas. Sérieusement. Je ne sais même quoi te dire. Oh! Oh! Si c'était mon frère, j'allais les tuer. Hey, pardon. Oh! Arrête. Bébé, pas jusque-là. Arrête oh. ça. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. C'est la seule raison que je pitié de lui. C'est vraiment ça. Je lui regarde, je lui fixe. Sérieusement, j'ai juste pitié de lui. Peu importe. Laisse Emeka tranquille. Bon, passons à notre mouton. S'il te plaît, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dis-moi, par où allons-nous commencer? Tu me demandes ce que je devais demander. Nous devons réfléchir, non? Les études ont pris fin. C'est quoi notre prochaine étape? Hein? Pour moi, je pense que nous devons d'abord nous reposer. Peut-être le Seigneur nous bénira avec un très bon travail, ou bien... as-tu trouvé ce gros monsieur? C'est lui qui veut te marier. Pas encore! Toi, tu es chanceuse. Tu as déjà aimé Ka pour toi-même. Sans effet. Sans effet à toi-même. Sans effet à toi. Sans effet. Sans effet. Sans effet, maman. Emeka, c'est lui-là. Est-ce qu'il sait même prendre soin d'une femme avec son argent-là de ferme et de nettoyage? Il t'aime. Il t'a envoyé à l'université. Il t'a payé les études. Oh. Il a fait tant de choses, non? Ah, la radio Qu'est-ce qui fait traîner Jeannette? Vraiment, nous avons vu notre amie. Nous parlons de Emeka ici. Attends, ma chérie. Elle a pris beaucoup de temps. Mais toutefois, on peut aller chez elle, n'est-ce pas? Vraiment. Attends que je ferme la porte pour qu'on parte. Madame Emeka! Madame Emeka! So somebody tell me, is this a dream or reality? Cause love is so blind I cannot see. I will fight for you. Oui, ma chérie. Comment vas-tu? Bienvenue, monsieur. Je t'en prie. Ça fait vraiment longtemps. Je sais. Je venais ici pour te rendre visite, mais chaque fois que je suis là, ta mère dit que tu n'es pas là. Et ton téléphone n'est pas connecté. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la connexion. Au village, la connexion n'est pas bonne. D'accord. Alors, où est ta mère? Elle n'est pas là. Elle était sortie. Elle était marché. Partie au marché. Tu es... Oui, monsieur. Oh, monsieur, ça c'est ta voiture? Je me débrouille juste avec celle-là. Ah, tu es au contrôle. Amen. Amen. S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides à parler à Cindy. Elle m'évite. Je l'aime tellement. Tu sais que j'ai dépensé tout mon argent sur son éducation afin que nous puissions nous marier après ses études. Et j'ai même vendu mon seul terrain à cause d'elle. Le terrain là était mon seul héritage que j'ai. Je sais. Emeka, je suis au courant de tout cela. Merci, papa. Mais il ne faut pas t'inquiéter, tu vois. Avec le temps, tout va aller pour le mieux, je t'assure. D'accord. Oui, avec le temps, tout va aller pour le mieux. Tu sais, dans la vie d'un homme, c'est que pour l'homme, il faut vraiment apprendre à chercher quelque chose
elle méritait quelque chose de très très important. Mm. Mais il faut que tu continues vraiment de pousser. Pousser, ok? Jusqu'à ce que tu vas avoir tout ce que tu veux, tu comprends? Oui, alors, avec le temps, elle va revenir dans ta vie. Dis-moi, c'est qu'elle dise quelque chose. Qu'elle me parle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et chaque fois qu'elle me voit, elle m'évite. Et ce n'est pas bien, non? C'est pas bon ce qu'elle fait. Hein? Emeka, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Mais il faut que tu saches aussi que rien de bon dans la vie ne vient facilement. Je le sais, et c'est pourquoi je sacrifie beaucoup pour elle. Oui, parce que même si tu as déjà fait un sacrifice, il faut toujours continuer à te battre pour ça. Le sacrifice que tu fais pour quelque chose et la chose pour laquelle tu fais le sacrifice ne peuvent jamais être la même chose. Est-ce que tu me comprends? Je sais tout ce que tu traverses comme un homme, mais il faut que tu te calmes. D'ailleurs, tu devais savoir que c'est une femme. Je sais, c'est pourquoi je suis en train de me suivre progressivement, espérant que ça va marcher. Oui, c'est ça. Et être femme, donc, ces êtres sont des créatures merveilleuses. Donc, tu comprends. Donc, il faut chercher des moyens pour la suivre. Il faut la suivre calmement, graduellement. Et un jour, tu vas bien finir par la voir. J'en suis vraiment sûr. J'ai compris. Oui. Mais papa, s'il te plaît, souviens-toi comment j'ai souffert. Et même, j'ai déjà donné des boissons pour elle. Emeka, je sais que tu as donné des boissons. Mais je continue de répéter. Même si tu fais un sacrifice pour quelque chose, il faut continuer à te battre pour ça. Tu me comprends? Hein? Quoi que tu dépenses, quand tu cherches quelque chose de très important dans ta propre vie, tu n'en parles pas, ça ne compte pas. Non, papa, oui. C'est pas ça. Je suis au courant de tout ce que tu viens de me dire là. C'est tout. Mais je te conseille toujours, calme-toi. Mais sérieusement, il me plaît bien. Oui, c'est ça. Il me plaît. Mais ce gars est trop local. Si vous l'entendez en train de parler français, vous allez vous évanouir. John, pour toi, tu es bien. Il a une voiture et il peut te transporter même devant. La seule chose que mon aimé a sait faire, c'est seulement de prêcher l'amour. Prêcher à tout moment. Je m'imagine lui et moi dans une même maison. Il est stressant. Lui voir venir ici. Je peux me faire la crise. Il est stressant. Ok. Sérieusement. Ok. Laissez-moi aussi vous dire concernant le mien. Il vient tout le matin. Je dis tous les jours pour tourner ma maison. Hein? Faire le travaux ménager. Oui. Il fait la lessive, la vaisselle. Il arrange mes habits. Oh mon Dieu. Attends. Donc, il fait tout ça pour toi. Bien sûr. Je parle de lui, n'est-ce pas? En fait, dans sa tête, il pense qu'il le fait pour me captiver. Je l'appelle homme en bagne. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que ce n'est pas le nom qui convient. C'est mais village. Qu'est-ce qu'ils sont les garçons de ces villages? Ils ne peuvent pas être charismatiques et c'est un peu contrôlé. Oh, tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Pour eux, l'argent fait tout. C'est pas ça. C'est pas bien. C'est ton nom. Sérieusement. Emeka est tellement ignorant. Si tu veux vraiment une fille et tu as l'intention de l'épouser, mais tu dois te préparer, okay. Non? C'est okay. Ça. Oui. Okay. Tu dois aussi être intellectuel. Mm. Qui va accepter de se marier avec un homme ignorant comme Emeka? Vraiment, qui? Ma chérie. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Hein? Hé, hey, pardon, ça va pas aller avec moi. Ça va pas aller. Ma belle, ce garçon fournit des efforts pour toi. Oui, il essaye. Quelqu'un qui a vendu les terrains de son père pour t'envoyer à l'école. Je veux dire, payer tous tes frais scolaires. Et pourtant, lui, il n'a pas étudié. Il n'a jamais été à l'école. Arrête, il fournit des efforts. Il t'aime. Tu exagères, toi. Oh mon Dieu. Je lui ai envoyé un message. Mais voyez-moi cette fille. J'ai dit les messages. Quel message que vous pensez? Ah, quel message, non? Arrêtez de faire ça. C'est pour le joyeux Noël, non? C'est pas le joyeux Noël? Oh, c'est pas le joyeux Noël. Oh, arrêtez de dire ça. Ah, quel genre d'amoureux, mon Dieu. C'est Emeka, non? Vous ne voyez pas ça. Ce n'est pas Richard, Michel, Peter. C'est très bien appelé. Hein?
Ok. Mon Dieu. Jane, est-ce que tu aimes checker? Vas-y, réponds-nous. C'est quoi son problème? Toi, est-ce que tu aimes Emeka? Vas-y, je t'écoute. Réponds. Arrêtez ça avec moi. Réponds à la question. Regarde comment tu mènes ta vie. Laisse ça ici. Regarde un peu comment tu veux détruire ta vie. Bon, Emeka, prendre beaucoup d'alcool n'est pas la meilleure des choses. C'est comme ajouter beaucoup d'insultes dans un repas. Désolé, beaucoup de sel dans un repas. Emeka, n'est-ce pas, je t'avais prévenu que tu ne devrais pas dépenser tout ton argent en donnant à cette fille-là, hein, en donnant à la fille. Qu'est-ce que tu me disais? Qu'est-ce que tu disais finalement? C'est mon amour, c'est l'amour de ma vie. Sans Cindy, je ne peux pas vivre. Sans Cindy, demain, je ne vais pas me réveiller. Regarde-toi maintenant. Regarde ta vie maintenant. Hein? Laisse-moi un peu te demander, mon ami. As-tu déjà même vu une fois la couleur de son caleçon? Non. Je te parle et toi, tu continues à boire. Tu as un problème dans ta tête, toi. L'imbécile. Écoute, as-tu déjà aussi vu la couleur de son soutien? Non. Lui as-tu déjà même fait bisous comme ça? Non. Tu as un long chemin à parcourir. Même un peu de temps en amoureux, vous ne l'avez jamais passé ensemble. N'est-ce pas? Kéré, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ne dis pas ça parce que maintenant, je suis confus. Je suis très confus. J'ai même envie de prendre ma vie. Hein? J'ai même envie de me tuer. Qu'elle me dise quelque chose. Qu'elle me donne au moins un mot de désespoir. Hein? Je serais un peu confiant, tu vois. Un mot d'espoir. Alors que toi-même, tu n'as même pas une seule espoir, ne serait-ce qu'une seule. Laisse-moi te demander. As-tu déjà parlé avec cette fille que tu veux l'aimer ou tu veux l'épouser? Va quelque part, que je parle d'espoir, tu demandes, quelle demande encore, après tout ce qui se passe, quelle demande, hein? Le père est au courant de tout, non, il me soutient bien, et il m'a même donné l'espoir que j'épouserai sa fille. Quelle demande, veux-tu encore que je fasse? Hein? On s'était mis d'accord que va à l'école, reviens, on se marie. Mais là, quelle autre demande vais-je faire encore? S'il te plaît, ne me dis pas ça. Emeka, parfois, quand je te regarde, je me dis, tu as des réflexions insensées. De ton anus. Oui. De ton anus, c'est ça? Tu as vraiment des réflexions très insensées. De ton anus. Écoute un peu ce que tu dis. Tu dis que son père est d'accord avec toi. Même si le père est d'accord avec toi, mais que la fille n'est pas d'accord, mon cher, rien ne marche. Rien ne marche. Oui, je te dis. Tu as quand même l'obligation de lui dire, je te parle et toi tu continues de prendre. Tu as un problème. Tu dois quand même lui dire que tu es prêt. Et faire quand même une liste des achats, n'est-ce pas? Comme ça, vous vous préparez petit à petit. Tu ne peux pas aller une fois pour toutes comme ça, mon frère. Que vais-je faire pour elle quand elle m'évite? Elle m'évite. Que vais-je faire alors? Elle m'évite, toi fou. Les problèmes pour lesquels elle t'évite, c'est vraiment la question que je me pose. Nous devons vraiment réfléchir. Car je ne serai pas là en train de te regarder prendre de l'alcool comme ça tous les jours. Cette histoire doit prendre fin. Emeka, nous devons réfléchir. Je te parlerai de mon propre exemple. Avec l'amour de ma vie, ce n'est pas comme ça. Quand je lui parle, elle m'écoute. Oui, elle m'écoute et fait exactement ce que je veux. Oui. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis à cette fille tellement qu'elle est si attachée à toi? Parce que quand tu lui parles, elle écoute. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment est-ce que tu organises tes mots que tu lui dis? Oh, écoute un peu ce que toi tu racontes. Dis-moi. Bon, tu veux que je te dise mes secrets d'amour? Tu es fou.
Écoute, c'est maintenant que j'ai compris que le pire ennemi est l'ennemi de la maison. Donc tu es l'ennemi de la maison. N'importe quoi. Écoute un peu ce que toi-même tu es en train de dire. C'est vraiment toi qui dis ça de moi. Est-ce que tu sais combien moi je te considère? Si tu le savais, tu n'allais pas au moins dire tout ça. N'importe quoi. Va t'asseoir quelque part. N'importe quoi. Écoute-moi très bien. Toi, tu resteras toujours ivrogne. Et tu vas mourir comme ça. Tu es un idiot. Va t'asseoir. Quelque chose qui est si simple à faire, tu refais de faire. Dis-moi non, tu sais que tu es mon ami, non. Et dis-moi, qu'est-ce que tu me dis, afin que j'applique le même secret ou la même stratégie pour Cindy. Écoute-moi bien. C'était à doubler l'énergie, je suis. Approche. Tu sais, je ne te demande pas de me coller comme ça, idiot. Tu sais, tu dois exactement suivre ce que je vais te dire, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pars chez elle chaque matin. Je balaye la cour de la parcelle. Oui, j'enlève toutes les saletés. Je nettoie aussi ses vêtements. Donc, c'est des choses. Et je puise même de l'eau. Et ça, c'est des choses qui poussent une femme à aimer un homme. Oui, il y a encore deux choses qu'un homme peut faire. L'accompagner aux toilettes. Mais aussi, même quand elle va se soulager, okay. Même tout ce qui reste, tu peux le faire. Je vais lui faire la vaisselle. Oui. Je puiserai de l'eau. Tu puisses de l'eau. Tu nettoies même. Toilette. Ferme-la. Ne l'accompagne pas dans la toilette. Fais d'abord ce qu'elle aime. Tu arranges la cour de sa parcelle et tu nettoies aussi ses habits. Si tu appliques mes conseils, elle va t'aimer. I will fight for you, oh my love. I will die for you, oh my love. I will. Is this a dream or reality? 'Cause love is so blind, I cannot see. Comment tu vas? Qui t'a demandé des balais? Personne. Je me suis demandé moi-même. Je me suis dit de venir balayer, m'assurer que tout soit propre et puis aller puiser de l'eau et remplir tout dans la maison. Ouais, j'espère, je sais que tu vas l'aimer. Ok, j'aime ça. C'est ça. Ok. Tant que tu as dit que tu t'es envoyé toi-même, puiser des loups et puis mettre partout. Merci. Merci, bébé. Et spécialement les touques là. Je ferai ça, je verrai ça. C'est la raison de notre amour, non? C'est du balai. Tu sais que tu es ma chérie, non? Je vais te faire pour toi. Et j'aime comment tu souris. Je vais bien balayer cette cour de maison. Afin que. Chérie. Ah, désolé, mon amour. Où est-ce que tu vas? I sing my pain for you. It's all I have to say. I cry my love for you with a bleeding heart. I will fight for you, oh my love. I will die for you, oh my love. Come
so blind. Even the love I cannot see. And love is so blind. Only when I close my eyes I see. So somebody tell me, is this a dream or reality? 'Cause love is so blind I cannot see. I will fight for you, oh my love. I will die for you, oh my love. I will walk a thousand miles for you. This is our commandment. I will obey. This is a commandment. Maman Jeannette, j'ai déclaré mon intention à votre fille, mais elle a refusé. Je l'aime vraiment. T'inquiète, elle va comprendre après. Je te promets que ça va marcher. Quand nous aurons notre temps de discussion entre mère et fille, je vais lui en parler. Enugo, t'inquiète. L'épouser est la raison pour laquelle je suis dans ce village. Chai. Une fois que j'en aurai fini avec la cérémonie du mariage, je retourne en ville pour continuer mes affaires. J'aime vraiment votre fille. Je vais l'épouser. Je vois l'amour dans tes yeux. T'inquiète. Tiki, tu sais, je t'ai connu il y a longtemps. Quand tu grandissais, je sais que tu es un bon homme. De même que ta famille. Tu sais, nous étions des amis, hein. Ne te dérange pas, Enugo. Je serai très heureuse que tu épouses ma fille. D'accord. Merci beaucoup. Ne te donne pas de stress. Laisse-moi la gérer. Merci. Vous êtes une bonne femme. Et vous serez une formidable belle-mère. Bien sûr. Dieu continuera de vous bénir. Amen. Ouais, je vais prendre congé de vous. Ngano, merci. Oh. Merci. Bonne route. Oh. Certainement. Prends bien soin de toi. Hein? Fais attention. Maman, c'est pas comme s'il ne me plaît pas. Il me plaît. Mais cet homme est très villageois. Il ne pourra même pas se défendre en public. L'as-tu déjà entendu parler? Maman, je ne peux pas. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Ma fille, tu sais, Chiki est une très bonne personne. Il est ici d'un bon background. Je connais toute sa famille. Maman, tu ne comprends pas. Je ne parle pas de sa famille ou soit de sa lignée. Je sais qu'il est une bonne personne. C'est juste que je ne peux pas. Je suis licenciée. Tu sais combien j'ai souffert pour aller à l'école. Après tout ça, après avoir galéré pour aller à l'université, à qui est-ce que tu veux que je me marie? À cet illettré? Ah, non maman, ça ne va pas marcher. Je ne peux pas, c'est impossible. Mais écoute-moi. Le mariage est un travail en équipe. Tu enseignes à ton partenaire ce que tu connais. Cela fera en sorte qu'il t'aime davantage et qu'il te respecte. Qui? Dans quelle tête? À quel moment? Maman, ne crois-tu pas qu'il est tard pour lui d'apprendre? Non. Non. Il n'est jamais tard d'apprendre. Aussi longtemps qu'il est prêt, il se porte volontiers. Neo, rappelle-toi qu'il t'a soutenu aux études. Il t'a soutenu financièrement. Une bonne œuvre appelle une autre. C'est le temps pour toi de les soutenir. Une bonne femme construit son foyer. Tu dois le fabriquer à ton goût. En faisant ainsi, tu seras heureuse avec lui. Je vais y penser, je ne te promets rien. Mm-hmm. Maman, je viens pas, arrête. Très bientôt, tu vas commencer à l'apprécier. Et quand ce temps arrivera, hein, n'oublie pas de te souvenir de maman. Maman, ne commence pas. Je vais y penser. Adamo, Nemo, oh. Oyo yo, oh. T'inquiète, oh. On va aller. Non. Merci. Vous êtes les bienvenus. Mmh. Merci. Merci, messieurs. Oui, mon frère. Aslam, I wanna have also his name.
Le renard ne peut pas se mettre à courir pour rien dans la journée. Ah oui. Oh. C'est soit le renard poursuit quelque chose ou quelque chose poursuit le renard. Oui, ça c'est vrai. Vrai. Alors laquelle de ces deux choses que je citais est en train d'avoir lieu maintenant là? Oui, je vous écoute. Mazinandi, c'est vraiment un honneur. Je te salue une fois de plus. Laisse-moi t'offrir ces bouteilles de vin. Tu sais, pour être franc d'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps. Je vais aller directement et frapper le marteau sur l'enclume. Oui. Tu sais, mon beau et courageux garçon Emeka ici présent m'a dit qu'il a une fleur qu'il a vue dans votre parcelle et il aimerait bien la cueillir. Et il est amoureux. M'a demandé de l'accompagner dans votre parcelle afin qu'il accomplisse son si grand désir. Voilà un peu. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci. Oui, c'est vraiment un honneur une fois de plus. Merci. Bien. Asna, yene ibe mana, yene ibe anahabu. Bien parlé. C'est vrai. Les choses peuvent vraiment se ressembler, mais elles ne sont vraiment pas la même chose. Oui. Oui, c'est ça. Mais depuis que je suis devenu un homme pieux, il y a des vraies fleurs dans ma parcelle. Laquelle de ces fleurs en particulier, vous êtes venu arroser? Oh, tu sais, celle qui est plus belle. Celle oui, on se parle, on parle. Vous dire son nom, laquelle hein? Oui, réponds là-bas. Là. Là. Oui, donc dites-moi papa, quelle fleur papa. Vous êtes venu arroser. Cindy. Exactement. Cindy, c'est la fleur. Ouais, papa. J'ai raison. C'est la seule fleur que. La fille que fraîche. Oui. Au fait, c'est pour la seule fleur que je viens. Elle est fraîche. Dans cette maison. Elle est la fille fraîche. Tu as maintenant finalement changé le nom de ma fille de Cindy à une fleur. C'est ça. Mais non, c'est pas ça du tout. Papa, c'est l'amour. C'est l'amour. J'ai une belle fleur même. Oui, ça va. Vous êtes les bienvenus. Oui, c'est vraiment bien que vous soyez venu aujourd'hui. Oui, je vous ai écouté. Maintenant, on va aussi l'écouter elle-même. Oye Danso. Biara. Isioma. Papa. Tu as tout terminé là-bas, la cuisine? Non. Ok. Va, appelle-moi ta sœur. Ok. Une fois de plus, merci beaucoup. Non. Merci en tout cas de nous avoir bien accueillis. Ouais. Non, oui, je vous en prie. Comment te sens-tu, fiston? Bonjour, papa. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Thierry. Bon bébé. Merci, tu as fait le bon choix. Tu vois, j'ai bien visualisé avant de ça choisir. Fait très bien. Tu suis vraiment père. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Ma fille, je te cherchais ici. Emeka ici, tu le connais? Ça, c'est son ami. Ils sont venus avec le père de Emeka, formellement. Ou traditionnellement. Demander ta main en mariage. Sans forcer. Absolument rien du tout. Ils sont venus ici pour te demander en mariage. Et selon nos traditions, c'est ce que moi je viens de dire. Non mais quelle honte! Pardon? Hein? Quelle insulte! Hey! Emeka! Hein? M'as-tu demandé la main? Je te dis oui. Dis-le-moi. C'est la raison pour laquelle je ne t'aime pas. Tu es non civilisé. Hein? Toi, c'est pas idiot! Possible, ça. Tu es toujours là. Bébé, c'est une barbe à mes noms. Je te jure que je t'ai poussé moi-même. Oh, tu es toujours là. Tu es toujours qu'est-ce là. Que je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu dis? Je t'avais dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont de honte, ça? Papa, ce n'est pas un embarras. Écoutez, elle et moi, nous étions mis d'accord qu'après ces études, nous allions. Il fallait la voir. Choukou Emeka. Papa. C'est quel genre de honte, ça, hein?
pourquoi n'as-tu pas bien accompli ta tâche? Papa, non, c'est pas ça. Papa, c'est pas ça. J'ai bien fait mon devoir. Le problème est qu'elle ne m'a jamais donné l'opportunité de lui parler. Non, papa, écoute. Nous étions mis d'accord qu'après ces études, j'allais l'épouser. C'est pourquoi j'ai dépensé tout mon argent à financer ces études. Et mais arrête-moi ça. Papa, est-ce que tu peux le croire? Il me doit que tu vois. N'a jamais parlé à que je te punisse, es-tu malade, idiot? Que tu dis proposer à elle? N'est-ce pas toi qui m'as conseillé d'aller demander sa mère en mariage et tu parles encore de propositions? Par ailleurs, quel genre de proposition voulez-vous encore? Elle et moi, on s'était mis d'accord. Ferme-la. Non, laisse-moi. Ferme-la. Oui, j'étais là. Emeka, n'est-ce pas, je t'avais dit des choses que tu devais faire, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Idiot. N'est-ce pas, je t'avais prévenu que ça arriverait. Arrêtez-moi ça maintenant. Idiot. Maintenant ça va. Quelle est maintenant ta proposition dans cette affaire? Maintenant, tu deviens conscient, Emeka. Écoute un peu ce que moi je pense. Rien n'est encore tard, mon ami. Tu vois Cindy telle qu'elle est là. Elle est déjà au courant de tout. Alors, écoute maintenant ce qu'on doit faire. Désormais, elle sait que tu es déjà prêt. Tu es vraiment prêt en toute chose. On doit maintenant accélérer. Oui, accélérer. Et elle va aimer. C'est vrai? Oui. C'est bien. Regarde-toi, est-ce que tu avais cette idée avant? Emeka, écoute-moi, Emeka. Emeka, tu ne peux réussir à conquérir le cœur d'une femme aussi longtemps que tu ne lui as pas encore abordé. As-tu entendu ce que ton ami a dit? Fais d'abord bien ton travail afin de réussir à conquérir le cœur d'une femme. Quel genre de devoir encore? Avant qu'elle n'aille à l'université, c'est moi qui paye ses frais. C'est compris, allons-nous-en maintenant. D'accord, ok, viens. Maintenant que tu l'as dit, maintenant que tout ça s'est passé, si je vais maintenant lui faire connaître mes intentions... Oui, va lui proposer. Et lui... elle va accepter. Oui. Oui. Okay, d'accord. Oui. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. C'est bon. Regarde-toi. Espèce de peureux. Je te dis, dis-moi ça. N'écoute pas, tu cries devant moi maintenant. Arrêtez-moi ça. Regardez-les. Des oiseaux de même plumage. Vous n'avez pas honte? Oh, vous allez beaucoup me manquer. De même ici, comment? Vous allez me manquer aussi. Encore une fois, je veux te féliciter particulièrement pour la réussite de ce mariage. S'il vous plaît, mes enfants, je vous conseille de vivre dans la paix et dans l'amour. Que l'amour prime, l'amour triomphe, tout. Je vous souhaite la bonne chance et bon voyage. Merci beaucoup, ma chère et ma belle-mère. Vous êtes une bonne femme et Dieu va continuer à vous bénir de plus, abondamment, chaque jour. Amen. Je vous appellerai de temps en temps pour voir comment vous allez. Mais je veux que vous me fassiez une faveur. Prenez bien soin de vous. Nous sommes là pour vous, d'accord? Nous sommes là pour vous. Je le ferai. Ogom. Adamo. Tu me manques déjà. Tu me manques aussi. Maman, prends bien soin de toi. N'étais-tu pas en faisant les champs? Si tu te fatigues, tu laisses tomber. Pas de problème. Tu es en train de partir. Oh, bon après-midi, monsieur. Bonjour. Oh, ma chérie. Oh, non, comment ça? Je vous attendais. Tu vas me manquer. Bonjour, maman. Maman. Oh, yo. Je vous attendais depuis longtemps, les filles, mais vous n'étiez pas venues. Je suis désolée, mon ami. Je devais faire les petits déjeuners pour papa. Mais tu vas tellement nous manquer. Tu vas beaucoup me manquer, ma chérie, je te dis. Franchement. Il y a les téléphones, non? Je vais vous appeler, oui. Pour de vrai, tu pars. Oh non, maman, pardon. Maman, s'il te plaît, prends soin de toi. Bye bye. Bye bye, maman. Passe-moi d'abord avant de partir. Dis, c'est mon bye, non? Commence par partir, il t'attend déjà. Je vais t'appeler. Bye bye, ma chérie. Bye bye. Allons-y. Bye, ma chérie. D'accord. Bye. On s'appelle, hein? N'oublie pas, ma chérie, s'il te plaît. Sois toujours en contact. Bye, maman. Je vais le dire encore. Bye bye. Au revoir.
Maman, ne t'inquiète pas, nous serons toujours là pour toi. Bien sûr, hein? C'est ça, non? Sais. Je sais. Mais non, tes enfants. Oui, maman. Et Léo Folugo va continuer. Yes. Oui. Oui. This is a story Grandma told me. If love is a crime, I'm ready for sin. If love is a crime, I will be judged for you. I sing my pain for you, it's all I have to say. I cry my love for you with a bleeding heart. I will fight for you, oh my love. I will die for you, oh my love. I will walk a thousand miles for you. A commandment I will obey. This is a commandment I will obey. Blind, even the love I cannot see. And love is so blind, only when I close my eyes I see. So somebody tell me, is this a dream or reality? 'Cause love is so blind, I cannot see. I will find sans regret. Qui s'est décidé de prendre Jeannette seulement comme ça. Nous étions là et on a vu. Hey, Jeannette de tout le monde. Hein? Une licenciée. Attends. Comment est-ce qu'elle a pu se décider de la sorte? Hein? Attends, toutes ces affaires de mariage est comme un film. Ça nous regarde et nous regardons aussi. Quoi qu'il en soit, elle a dit qu'elle va la changer. Elle va la façonner. Hein? Ne dis pas ça. Hey. Ne dis pas ça. Ok. Madame l'enseignante. Je te jure, elle est vraiment madame l'enseignante. On verra. Hey. Oui. Toutefois. C'est qui ça? Pourquoi tu réagis ainsi? Si c'était
Je comprends. Hein? Ton Emeka. Juste un point de correction. Je ne suis pas avec Emeka. Ah ah. Oui. Es-tu en train de le nier? Rita, comment va ton Ekene? Il va bien. Arrête-toi là! Avant que je ne change pour toi. Oh, c'est quoi ça, non? Arrête des bêtises. Arrête. Oh, arrête-toi là. Tu veux voir Ekene? Je vais péter pour toi maintenant. C'est quoi ça? Arrête. Son numéro. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler pour toi. Chérie, tu sors? Oui, bonjour. Je vais aller au marché. De quel marché parles-tu? Notre mariage s'est passé il y a 2 jours. Tu devais au moins planifier notre lune de miel. On peut aller n'importe où, dans une île, je ne sais où, juste pour s'amuser à la place des... Ce que tu es en train de dire. C'est quoi encore lune de miel? Lune de miel. Chérie, s'il te plaît. Permets-moi d'aller prendre mes crédits afin d'acheter plus de marchandises pour mes boutiques, pour voir mes affaires évoluer. S'il te plaît. Hein? Ok. Tu peux partir. Je ne veux pas me faire passer pour une rabat-joie. Mais tu n'as que 2 heures. Je t'ai donc 2 heures. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te promets. Je vais rentrer. Attends, pas de problème. Ne traîne pas. Nous devons planifier notre lune. Oui, chérie. Pour que nous puissions y aller même à la fin du mois. Pour que nous puissions nous relaxer. Même toi, tu as besoin de te relaxer toi aussi. Bébé, tu avec ton histoire de lune de miel. Tu sais que je prendrai soin de toi. Comme mon Adada. Comme mon bébé. Je prendrai soin de toi. Oublie lune de miel. Bébé, même les mots bébé, tu as du mal à prononcer. Mais tu ne fais qu'ouvrir ta bouche pour les répéter à tout moment. J'espère que c'est de bonne qualité, hein? Absolument, c'est de très bonne qualité. Au revoir, monsieur. Ok. Ah, monsieur, vous êtes là? Ouais. Bienvenue. Sinon, comment vont les choses? Oui, monsieur. C'est vraiment merveilleux. Ceux qui sont en train d'arriver. C'est quelqu'un qui joue de voyage. Ils ont acheté tout ce qu'il avait dans le magasin. Ils étaient là. Je les ai vraiment beaucoup suppliés. Cet homme vient de partir à peine même. Mais ne t'inquiète pas. Mon conteneur. Mes conteneurs sont en route. C'est très bien. T'inquiète pas. Bientôt, ils seront là. Vous êtes les bienvenus, monsieur. Vous êtes les bienvenus. Je t'en prie. Oui, j'aime ça. Merci. Mais comment va madame? Oh, elle va bien. Elle va très bien. Vous êtes les Merci. Bienvenus. Merci, mon cher. Avoir entendu dire que tu allais rentrer dans 3 heures. Mais regarde l'heure maintenant. Bébé, je suis désolé. Tu sais, je dois aller au marché pour vérifier certaines choses. Mais j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu ailles te toucher. Je vais te faire sortir. On va manger Nkwabi et Isin. Ça sera notre lune de miel. Ça sera la lune de miel de qui? Notre lune de miel. Non, c'est pas notre lune de miel. Je vais monter, prendre la douche, m'habiller, ensuite sortir avec toi. Et à notre retour, nous allons discuter calmement concernant notre voyage de lune de miel. Et pas ce que tu es en train de dire. Bébé, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? J'ai chatté. Causer. Femme mariée. Causer. Ah. Hey, comment peux-tu causer au téléphone?
Ne sais-tu pas que tu es une femme mariée avec qui tu causes? Mes amis? Tes amis quoi? Ça ne marchera pas dans cette maison. Ah. Bébé, ça ne marchera pas. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu ne peux pas... Et après quoi? Et après quoi? Parce que tu m'aimes, je n'ai pas le droit de chatter. Tu sais que je t'aime et je ne pourrai pas te tromper. Alors pourquoi ne veux-tu pas que je chatte? Tu veux chatter? Alors, si tu m'aimes, respecte mes commandements. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Je reviens. Laisse-moi les bénir. Tu dois respecter les doigts de l'autre. Je t'attends. J'arrive. Regarde-moi. Regarde. Tu es malade. Regarde-moi et tu tournes comme ça. Mais tu m'as demandé de te regarder. Là, je te regarde, ça devient encore un problème. Tu es plate, idiot. Idiot. Oh Dieu. Regarde-moi. Hein? Regarde-moi maintenant. Mon argent est fini à cause de Cindy. Hein? Hein? Oui, je le sais, je le sais. Elle sait que je l'aime, juste parce que je n'ai pas fini mon éducation. Hein? C'est pour cette raison qu'elle me traite n'importe comment. Hein? Elle sait que je l'aime tellement. Mais... Hein? Ok, c'est bien. Chika qui a épousé Jeannette, oui. Est-ce que Chika était à l'école? Est-ce Chika un diplômé? Tout ça raison toi, est que et tu en je es fier. Suis pas un diplômé. Je n'ai pas été à l'école. Arrête. Regarde-moi. Tu te compares à lui et tu penses que tu peux construire un truc pareil. Un genre d'immeuble comme ça. Toi, tu as quel niveau? Chike a un niveau plus élevé que toi, Emeka. Chike a une moto. Chike a des voitures. Il a l'argent et il a une maison. Mais alors toi, qu'est-ce que tu as? Même part. Un tu vélo, tu ne pourras même pas acheter. Attends, tu n'as rien. Toi, tu n'as rien. Je n'aime pas. Ah, écoute. D'abord, tu connais le pouvoir d'argent. Pouvoir d'une voiture. Chike a une voiture. Chike a une moto. Et il a même une maison. Une voiture avec. Et tu me dis n'importe quoi. Ah, tu la fermes quand moi je parle. Emeka, écoute, si seulement tu as l'argent maintenant, tu fais un effort et tu achètes une voiture. Tu vois Cindy, elle viendra d'elle-même. Oui. Donc, oui, si mon cher. Si j'ai de l'argent maintenant, elle va accepter, n'est-ce pas? Regarde-toi, tu ne comprends pas. Écoute, voiture et argent sont une force. Tu n'as pas d'argent et tu n'as pas de voiture. Même un vélo, tu peux en acheter. Écoute, je le regrette. Fais un effort. Je le regrette, je te le dis. Si j'avais su, l'argent que j'ai utilisé pour financer ses études, hein, j'allais l'utiliser pour financer moi-même mes études. Ou bien l'utiliser pour acheter une voiture. Et maintenant, hein, sa tête serait correcte. Tu comprends maintenant? Tes yeux sont aveuglés. Quand je t'ai parlé, tu ne pensais qu'à l'amour, Cindy. Et regarde maintenant, tous tes projets, Piou, regarde-toi. C'est maintenant que tu parles de voiture. Et Kené, n'est-ce pas, je t'avais demandé d'acheter une voiture. Qui est Kené? N'est-ce pas? Qui est Kené? Idiot. Qui appelle-tu Kené? Si je t'appelle Kené, est-ce que c'est un PC? Si, n'est-ce pas, toi et moi sommes amis. N'est-ce pas, nous sommes des amis. Si tu deviens Kené et moi je deviens Emeka. Et ça nous arrive, n'est-ce pas, ton père m'appelle parfois Emeka. Je dis oui papa. C'est vrai? Et c'est pareil, tu ne sais pas. Mais oui. Emeka. C'est vrai. Kené, maintenant on va commencer à s'échanger des noms, tu ne trouves pas. Mais... Tu dis que tu veux acheter une voiture. Emeka, qu'est-ce que tu as? Tu n'as même pas d'argent. Et puis, tu dis que tu veux acheter une voiture alors que tu n'as même pas d'argent pour acheter même un vélo. Hein, Emeka, réfléchis bien. Est-ce que vraiment toi, tu es vraiment capable d'acheter une voiture, toi, Emeka? On parlait avant, entre je ne t'insulte pas. Avec respect, maintenant, c'est les insultes que tu es en train de pleuvoir sur moi. Qui conseilles-tu? Je te conseille. Qui conseilles-tu? Je ne fais que te conseiller. Tu as je ne conseille ça que mon ami. Mais réveille-toi. Tu es insensé pour terminer. Tu penses que je ne sais pas c'est quel genre de conseil ça? Quand on te conseille, tu devrais au moins dire merci. Que le tonnet mais toi, droit là-bas, idiot, écoute, tu prends toujours des choses à ta manière comme ça. Je vais me débrouiller. Je vais me battre et gagner de l'argent et Cindy va se soumettre. Je te dis, lorsque l'argent viendra, waouh, elle vois, sera toi? Humble. Dans cette ville, attends seulement, ça va arriver.
Emeka, tu vois Cindy? Elle reviendra, crois en ce que je t'ai dit. Elle ne te fait pas souffrir, elle reviendra. Quel jeu? Le jeu entre tes mains. Tu joueras le jeu avec qui? Et toi, tu vas ce jeu-là, je t'ai dit que je vais me battre pour gagner de l'argent, épargner peu à peu, et tu me parles de jeu. Tu vas battre Naija, je ne vais pas jouer ça avec toi. Je te punis, va-t'en d'ici. Tu vas commencer par calculer maillot contre Liverpool, comme ça. Censé. Qui viendra vraiment me faire comprendre ce qui se passe ici? Qui viendra me faire comprendre ce qui se passe? Voilà quand je dis que toi tu comprends à ta manière. Quand je parle de jeu là, je parle de jeu. Est-ce que je dis qu'il y a des joueurs? Est-ce que je même dis qu'on sera sur un terrain? Je vais utiliser pour jouer ça, je vais l'épargner peu à peu et réaliser quelque... Pourquoi dans ta vie, tu n'arrives pas toujours à comprendre? Pourquoi tu ne comprends pas? J'ai dit ceci. Le jeu dont je parle, c'est celui-ci. Tu vas voir Cindy, tu vas négocier avec elle, vous deux. Vous négociez, vous cherchez l'argent ensemble. Elle a l'argent, toi tu as l'argent et vous achetez une voiture. Je ne savais pas de lui penser que c'est du pari que tu comprends maintenant. Je ne veux même pas écouter ce jeu. Tu vois, je l'ai dit. Mais oui, elle est à toi. Ce qu'elle m'a fait là. Tu veux pleurer? Elle deviendra humble. Et mec, tu es en train de pleurer? C'est ce que j'ai fait. Le terrain que j'ai vendu pour financer ces études. Et tu penses que c'est une bonne chose de voir tes larmes? Emeka, tu veux aussi me faire pleurer? Tu sais que tu deviens trop vieux. Bon, écoute maintenant. S'il te plaît, faut pas oser. Bon, regarde. Je pense que nous avons fini. Elle doit s'humilier. Au fait, l'humilité, c'est ce qu'elle devra avoir. Son papa dit qu'elle doit être humble. Elle doit être humble. Bon, écoute. On doit prendre quel chemin? Celui-ci ou celui-là? On doit aller prendre un verre pour oublier tout ça. On prend droite ou gauche. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux que je te rappelle comment tu étais ivre l'autre fois? J'étais porté comme ça jusqu'à chez toi à la maison. Cindy, pourquoi es-tu aussi méchante? Pourquoi tu es sans cœur comme ça? Et jamais, jamais je ne ferai partie de cette méchanceté. Un homme qui t'aime de tout son cœur, il a même donné tout ce qu'il avait comme argent pour que tu finisses tes études. Il a dépensé son argent sur toi. Mais tu ne peux même pas lui prêter oreille. Papa, je t'ai déjà dit. Il n'est pas mon genre. Papa, accorde-moi juste quelques temps. Laisse-moi arranger tout ça. Laisse-moi t'apporter un très beau fils avec beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qu'on veut, papa. Oui. Oh, maintenant tu sais qu'il n'est pas de ton genre. Un homme qui a dépensé tout son argent pour que tu aies étudié et finir. Tu ne savais pas qu'il n'était pas de ton genre. Mais maintenant, tu me dis, tu oses me dire qu'il n'est pas de ton genre. Mais tu lui as donné espoir. Est-ce de ma faute? Hein? Est-ce de ma faute, papa? Oui, mais tu lui as donné espoir. Et si ce n'est pas ta faute, c'est la faute à qui, Cindy? À qui la faute? Est-ce ma faute? Je n'ai jamais vu une relation forcée ainsi. Hein? C'est comme si c'est le fait ou c'est la force. Ah, papa. Et c'est ça le problème. C'est l'argent que tu veux ou tu veux un homme qui va t'apporter du bonheur. Non, c'est à l'argent que tu veux te marier, hein? Ou c'est vraiment un homme que tu veux te marier. Oh, c'est maintenant que tu sais qu'il n'est pas de ton genre. Laisse-lui aller rendre lui-même comme un homme. Oui! Une relation amoureuse est toujours ainsi. C'est soit on reste ensemble, ou bien même on se sépare. Mais on sait que je sache, il y a toujours quelqu'un qui décide on se sépare ou bien on reste ensemble. Papa, laisse-lui aller à l'école ou bien même aller chercher de l'argent, car il a besoin de l'argent. Cindy, es-tu vraiment fière de me dire que le cœur de quelqu'un doit être brisé? Donc tu es une fière casse-cœur. Oh, il ferait mieux de retourner à l'école pour se trouver de l'argent pour lui-même et tout. L'argent qu'il a refusé d'utiliser pour ses propres études.
il a dépensé sur toi en t'envoyant étudier à l'école. Est-ce que tu as une conscience? Non, est-ce que tu connais vraiment Dieu? Cindy, est-ce que tu as vraiment une conscience, toi? Oui, papa, j'ai la conscience. Ah, j'ai la conscience, non, papa. C'est pourquoi je ne lui ai rien dit. Je sais que si je lui dis quelque chose, si je veux seulement ma bouche pour lui dire quelque chose, il mourra. Papa, laisse-le aller se fixer lui-même. Laisse-le se faire un homme. Oui, c'est quoi son nom? Emeka, ça n'a même pas de sens. Laisse-le se faire un homme, papa. Oh, papa, tu dois être fier de moi. Ta fille Cindy, elle est licenciée. Je viens juste de l'université et tu me veux, moi Cindy, et de me marier avec un pauvre, rejeté, illettré. Emeka, ah papa, ça ne sera pas possible. Ah ah, comment est-ce qu'on peut s'écrire? Ça ne sera pas possible, papa. Non, ça ne sera pas possible. Hey, pardon, laisse-moi, ça ne sera pas possible. Tu te parles et tu t'en vas. Tu es fier, tu me le dis même en face, moi, que le cœur de quelqu'un doit être brisé. Et tu veux amener quelqu'un qui a l'argent. C'est l'argent que tu veux épouser ou tu veux épouser un homme qui t'apportera le vrai bonheur dans la vie. Qui te dit ça? Est-ce que tu as amené les études universitaires? C'est l'amener la nourriture sur la table de quelqu'un. Ou être diplômé, est-ce que cela met la nourriture sur la table d'une personne? Tu ne peux pas te calmer un peu et respecter cet homme-là. Tu ne peux pas lui prêter oreille, le traiter comme un homme pour l'amour de Dieu. Si ce n'est pas pour une chose, si ce n'est pas parce que j'avais confiance à ta mère, ou parce que j'avais adopté ta source. Maman? A-t-il pu me forcer contre ma volonté? Hein? Juste parce qu'il se plaint trop chez lui. Cindy, ce qui me dérange est seulement le fait que Emeka a payé pour toi le frais académique. Oui, c'est ça notre plus grande erreur. On devait nous sponsoriser nous-mêmes dans nos études. Comme nos parents avaient échoué, au lieu de laisser ces idiots, ces espèces de villageois prendre soin de nous. Au moment où je te parle, Ekene me tient au cou et il me dérange. Mais je pars mollo avec lui, parce que je ne veux pas lui faire mal. Ruta, qui penses-tu qu'on pourra faire? Hein? Parce qu'en ce moment, c'est mon père qui est en train de lui soutenir pour m'épouser. Comme si... Bien. Si tu vas m'écouter... Je pense que nous devons jouer à ces jeux pour ce temps-ci. Rita, ça va empirer les choses, non? Ah ah! Être avec eux, c'est leur accorder les temps. Leur accorder les temps, c'est leur accorder l'espérance. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ma chère amie, laisse-moi te dire. Si tu n'utilises pas les gens, ils vont t'utiliser. Oui, c'est la seule façon qu'on peut travailler. Mais laisse-moi te dire... Si tu dis à Emeka que tu ne vas pas l'épouser, il peut se donner la mort. C'est ce que tu veux? Ah, alors, jouons-en. Oui! Faisons juste une grande demande. Et quand ils vont se fatiguer, ils vont nous laisser. Ah, je pense que tu as raison. Oh, bien sûr. Ah. Tu me connais bien, ma chérie. C'est ça, mon idée. Tu as raison. Allons-y, nous allons le faire. Oh, tu es une bonne fille, toi. Chérie, maintenant que nous avons fini avec la lune de miel et autres, alors, c'est quoi les plans? C'est quoi le projet que tu as pour moi? Quel plan? Plan comment? Ce ne serait pas juste de tomber enceinte et de me faire beaucoup d'enfants? Je ne comprends pas.
Il est vrai que je vais tomber enceinte et j'aurai des enfants. Mais la façon dont tu parles, c'est comme si je n'aurais qu'à faire des enfants. Ok, c'est pas ça le problème pour l'instant. Ce que je sais de dire que j'ai besoin d'un travail. Ça peut être un tout petit business, ou soit encore mieux, je peux travailler avec toi comme assistante. Non, bébé, non. Je ne vais pas te permettre de travailler. Je te fournirai tout ce que tu veux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ces hommes de dehors te regardent n'importe comment. Je ne veux pas qu'ils regardent ton derrière et ton devant. Je ne blague pas, je suis très sérieuse. Tu sais que je ne pourrais pas te tromper, tu le sais très bien. S'il te plaît, essaie de réaliser mon rêve. J'ai besoin de faire quelque chose, même un tout petit business. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Si tu m'aimes, respecte mes commandements. Je n'arrêterai jamais de dire ce que je suis en train de dire là, jusqu'à ce que tu reviennes à tes sens. Regarde le pauvre homme, le jeune homme qui meurt en silence, et tout ça c'est à cause de toi. C'est quoi ton problème? La règle d'or dit ceci: il faut faire aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent à toi. Papa, ta manière de traiter ce garçon est très mauvaise. Papa, pardon, je ne suis pas en train de maltraiter quelqu'un. Pourquoi me fais-tu la pression? Hein? Pourquoi? Qui t'a dit que le mariage par pitié a déjà marché? Qui t'a dit ça? Où as-tu appris cela? De quoi essayes-tu de me parler là? Est-ce que c'est toi qui vas vraiment me parler du mariage? Est-ce que tu sais quelque chose sur le mariage? Qu'est-ce que tu sais, Cindy, sur le mariage? Tu as déjà été marié? Je te pose la question. Tu as déjà été marié, toi? Je me suis marié à ta mère. On a vécu ensemble 20 bonnes années avant qu'elle ne mourût. Et j'ai plein d'expérience en moi en ce qui concerne le mariage. Et c'est à moi de bien te dire ce que c'est le mariage. Écoute, ma fille, le mariage n'est qu'un processus graduel. Processus graduel. Au moment où tu y entres vraiment, tu vas commencer à y prendre plaisir graduellement. Et graduellement, tu vas commencer à t'habituer. Et la vie continue. C'est ça, le mariage. Papa, pourquoi tu es en train de me forcer? Hein? Pourquoi tu es en train de me forcer? Je sais ce que je veux. Et je ne suis pas la seule fille dans ce village. Pourquoi tout ça? D'abord, c'est à 7h que tu te réveilles. Non, c'est maintenant que tu te réveilles, vraiment. Maintenant, tu sais que tu n'es pas la seule fille dans tout ce village. Depuis tous ces temps, il dépensait sur nous. Tu n'as jamais parlé de ça. Est-ce que tu sais combien ce jeune homme a dépensé sur nous? Est-ce que tu sais combien il a dépensé sur toi? Est-ce que tu sais combien il a dépensé pour tes études? Oui. Je sais combien il a dépensé pour mes études. Parce que toi, en tant que mon père, tu as échoué avec tes responsabilités. Tu m'as amené dans ce monde. Tu as laissé ma mère seule de prendre soin de cette famille. La seule chose que mon père sache faire, c'est de prendre soin de toutes les veuves de ce village, même quand ma mère était vivante. Toi, tu as négligé ta propre famille. Et maintenant, ma mère n'est plus là. Je dois faire tout ce qui est de ma force pour réaliser mes rêves. Je veux. Fais tout ce que tu voudras. Je connais la raison pour laquelle je ne vais pas te toucher. Mais Cindy, un mot de plus venant de toi, je dirai une malédiction sur toi. Un mot de plus, je vais prononcer une malédiction sur toi. Non, papa. Tu ne me maudiras jamais. Ça n'aura pas d'effet sur moi. Quelqu'un doit dire la vérité pour une fois. À qui parles-tu? Non. C'est à moi que tu t'adresses de cette manière. Comment oses-tu? Moi, ton père. Oui, papa. Tu me parles de cette manière. Tu élèves ta voix. Cindy. Je suis désolée, papa. Mais je suis en train de te parler. Et tous les papas de ce village, vous tous, vous devez prendre vos responsabilités. Et non de laisser d'autres personnes aller faire à votre place. Nous, les filles de ce village, on s'est dit que tout ce qui arrivait à nos mères nous arrivera jamais.
On s'est dit que trop, c'est trop. On s'est dit qu'on ne supportera jamais ces bêtises. Cindy, tu as 7 jours pour te mettre avec Emeka. 7 jours seulement pour que tu sois avec Emeka. Mets-toi avec lui. Sinon, je vais te faire savoir que moi, je suis ton père. Je te ferai savoir que moi, je suis ton père. Emeka, ne sois pas fâché. Pardon, que veux-tu vraiment venant de moi? Tu vois, tu sais, tu sais, tout ce que je veux de toi, c'est... tu sais, je veux te dire que je ne peux pas vivre sans toi. Ouais, je veux que tu m'épouses. Je veux t'épouser. Je veux qu'on soit ensemble. Emeka. C'est ce que tu veux. Ouais, c'est vraiment ça ton désir. Je veux. Dis-moi seulement oui. C'est ça. Dis-moi seulement. Ok. Oui. Ok. Ouais, dis-moi je dois seulement dire oui. Oui, je vais te dire oui. Tu vas me poser. Oui. 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 Tu vas me poser. Merci. Mais avant que je t'épouse, je veux que tu fasses quelque chose. Et puis, dis-le. Dis-le seulement, je vais le faire. Tout ce que tu me dis ici, là, je vais le faire. Dis-le maintenant même, dis-le. Je suis prêt à le faire. Je le ferai. Oui. Emeka, mon ami. Merci. Oh. Tu sais que je t'aime. Merci. 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 Ce que je veux que tu travailles très dur. Et tu feras beaucoup d'argent. Okay, et c'est moi qui vais les garder pour toi. Et je te le donnerai. Oui, tu apporteras l'argent et je les garderai pour toi. Et maintenant, quand l'argent sera beaucoup, on l'utilisera pour créer des grandes entreprises. Et on se mariera. Qu'y penses-tu? Cette fille, tu vas finir. Ok, pas de problème. Tu vois ce que tu viens de me dire? C'est le mot le plus doux que tu m'aies jamais dit dans cette vie. Je vais travailler nuit et jour. Je vais gagner de l'argent. Je vais gagner n'importe comment. Je m'assurerai que je travaille et je gagnerai beaucoup d'argent. Je vais travailler n'importe comment. Le marché au champ, je travaillerai. Je vais travailler. Ok, je travaillerai et je gagnerai de l'argent. Ouais. Je sais qu'on se mariera après avoir gardé de l'argent. C'est bon chérie, tu as gagné, c'est bon. Tu as gagné. Tu vois, façon tu mets tout cela. Quand l'ambulance viendra me prendre, on entendra quelque chose comme voix. Ou bien. Arrête ça. Je ne peux pas. Ah non, chérie. Je le dis juste, c'est parce que toi tu m'as touché comme ça. Tu n'as pas apprécié mes jeux de mots. Bien sûr que oui. Et puis, tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime aussi, chérie. Okay. Oh oui. Et puis alors, tu sais, ça fait longtemps que je t'aimais déjà. Et tu sais. Et je te dis, et c'est vrai. Beaucoup manqué, hein? Je te dis, je t'aime beaucoup. À cause de la façon dont je t'aime beaucoup, hein, j'aimerais que tu travailles durement. Durement, franchement. Pour que tu fasses beaucoup d'argent. Tu comprends? Tu as raison.
pour notre futur mariage. Mmh. Tu sais, quand tu parles de mariage, quand tu parles de mariage, de la façon, ça me fait du bien. Mais tu sais, moi, ton futur mari, mmh, je vais travailler très dur. Je sais. Je ferai toujours de mon mieux pour que tu sois à l'aise. Mmh. Je vais travailler très dur pour te rendre heureuse. Mais dis-moi un peu, pourquoi je vais arrêter pendant que mon bébé a besoin d'argent? Ah, oui. Mon argent, c'est aussi ton argent. Ah, je sais. Et tu sais aussi que ma voiture, c'est ta voiture. Si je ne cherche pas l'argent pour toi et je ne dépense pas pour toi, pour qui je vais le faire? Oui, mon amour, mon bébé. Laisse-moi te dire. Écoute, l'argent que j'aurai, la première des choses que je ferai, c'est nous acheter une voiture, moi et toi. Es-tu sérieux? Tu seras devant. Et moi, je serai en train de conduire. Et si mon ami Emeka n'a pas encore acheté une voiture et moi j'achète une voiture avant lui, mmh, je t'ai dit, mmh, je vais l'éclabousser de l'eau et quand il va me regarder, je vais lui dire, ça c'est moi et mon bébé. Je t'ai très bien compris, chérie. Je suis très contente de te voir réfléchir de cette façon. Oh, oui. J'ai beaucoup aimé. T'es vraiment intelligent. T'es intelligent, chérie. Oh, mon amour. Mon amour, j'ai une chose à te demander. S'il te plaît, j'ai besoin de faire mes cheveux et aussi d'acheter quelques vêtements. J'ai besoin de changer ma garde-robe. Tu sais que je t'aime beaucoup et que je peux tout faire pour te rendre heureuse. Je sais. À part toi, qui d'autre? Il n'y a qu'une seule. Juste moi. Une seule Rita. Oui, la seule. À part Rita. Toi, il n'y a pas d'autre Rita dans ce monde. Mon amour, dis-moi tout ce que tu veux, cite-moi tout ce que tu voudras, l'un après l'autre. C'est vrai? Ton futur mari est là. Tu n'auras jamais de soucis pendant que je suis là. Juste 10 000 lira pour mes cheveux. Ok, je t'ai aussi en train de dire... quoi encore? Bon, laisse juste ces 10 000 lira. Je vais moi-même m'en chercher pour mes vêtements et autres besoins. T'inquiète, chérie. Je ne veux pas te déranger. Tu vois, nous préparons aussi notre mariage. Alors ne te stresse pas, chérie. Juste les 10 000 lira, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je transpire. Arrête de te stresser. Tu as parlé de 20 000. Je n'ai pas de choix. Donne juste ça. Ok. Oui, je le ferai. Merci beaucoup. Oui, oui. Il n'est pas, j'ai l'obligation de satisfaire mon amour. Je ne peux pas laisser un autre homme le faire à ma place. Je suis fou. Jamais. Je ne suis pas fou. Ok. Je ne veux pas que tu te déranges. Je vais faire de mon mieux. Oui, oui, mon argent, c'est ton argent. Oui, ton argent est aussi le mien. Je n'arrive pas, je n'atteins pas ces montants-là. Et si le travail ne me permet pas d'atteindre ces montants-là, je vais emprunter pour toi. Je vais l'emprunter. Tu le feras pour moi? Je vais l'emprunter. Tu vas emprunter je vais pour l'emprunter. Moi? Je vais l'emprunter. Je vais emprunter pour te rendre heureuse. J'aime ça. Tourne un peu, je vais voir mon bébé. Tourne un peu, je vais voir mon bébé. Danse, danse pour ton bébé. Danse pour ton bébé. Danse pour ton bébé. Danse pour ton bébé. C'est tu bon, ne veux pas danser pour moi. T'es gentil, tu sais. Boss, comment va madame? Elle va bien. Et John, quelque chose me dérange depuis un certain moment maintenant. Qu'est-ce que ça peut être, boss? Ma femme. Tu sais, j'ai peur qu'un jour, quelqu'un viendra me l'arracher. Pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça, boss? Elle est votre femme. Je sais, elle est ma femme. Mais rappelle-toi, elle est très belle. Elle est éduquée. Et moi, j'ai raté mes études. Je n'ai même pas terminé mes cours secondaires. Et à chaque fois que je rentre à la maison, elle est au téléphone. Elle cause au téléphone. Ou peut-être, elle discute au téléphone. Et quand je lui demande avec qui, elle me dit avec ses amis. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Boss, souvenez-vous qu'elle est votre femme. Elle est très respectueuse. Vous savez, peut-être qu'elle fait ça à cause du simple fait qu'elle est à la maison. Pourquoi ne pas lui trouver un business, boss? Quelque chose, non. Ou même un boulot? Non. Ça, c'est impossible. Cela est même le pire, John. Hein? Je ne veux pas qu'aucun homme contemple ma femme dehors. Non. Et vous pensez que la garder est la meilleure des choses? Vous savez, vous devez croire en votre femme. À condition qu'elle vous donne des raisons de ne pas croire en elle. John. Tu es très très drôle. Je me rappelle que mon père me disait de ne faire confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Prévenir vaut mieux que de guérir. Ok, oh boss, si vous le dites alors.
Mais je vous conseillerais de prendre des précautions avant que tout ça ne puisse empirer, en tout cas. Mais je ne peux pas permettre à ma femme de travailler. Ma femme ne peut pas travailler. Son devoir est de me donner beaucoup, beaucoup d'enfants et prendre soin d'eux. Ouais. Mais en passant, boss, votre femme est licenciée. Essayez vraiment au moins d'y penser, boss. C'est vrai? C'est pas vrai. Je t'appelle plus tard, mon mari est là. Bébé, tu es là? Bébé? Hein? Avec qui tu es au téléphone? Une amie? Ton amie quoi? Donc, ton ami ne sait pas que tu es une femme mariée? Ah. Pourquoi tes amis devraient t'appeler? Tu es une femme mariée. Donc, parce que je suis mariée, tu n'as plus le droit d'avoir des amis? Non, bébé, je suis le seul ami que tu as. Ouais, je ne veux pas qu'elle vienne ici te gâter pour moi. S'il te plaît. En tout cas, ça ne va pas marcher. Mais c'est quoi ce genre de réflexion? Qu'est-ce que tu viens de dire, fille ou quoi? Bébé, tu es ma femme et je t'aime. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne ici te gâter et t'emmener loin de moi. S'il te plaît, prévenir vaut mieux que guérir. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Si tu m'aimes pour de vrai, alors considère-moi. C'est pourquoi je mets à ta disposition tout ce que tu veux. Et même de plus. Hein? Bébé, en tout cas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Que je ne puisse plus avoir d'amis. Oh non, 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 c'est pas bébé, vrai. Si tu m'aimes, respecte mes commandements. Et rappelle-toi, je vais au marché. That I see a little song that I sing, word imagination of love that we see. Chérie, tu es revenue? Bienvenue. Ouais. Bébé, avec qui tu discutais au téléphone? Avec mes amis. Ton ami quoi? Encore? Ne t'ai-je pas dit que tu es une femme mariée? Dis à tes amis de te laisser en paix. En tout cas, je t'ai acheté un nouveau téléphone. Ah, un nouveau téléphone? Ouais. Le fais voici. Voir. Tu dois me donner l'ancien. Ok. Je t'ai aussi acheté une nouvelle carte SIM. Ça y est dedans. Pour qu'elle ne te recontacte plus. Tu es maintenant une femme mariée. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. D'accord? Bébé, pourquoi ton visage est comme ça? Tu n'apprécies pas ce téléphone? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je ferai toutes choses et tout pour toi. Détends-toi. Je t'aime. Oh, oh, yao! Voilà, mes enfants arrivent. Ça va? Mes enfants que j'aime maman. Beaucoup. Maman, où vas-tu? Vous m'aviez abandonné tous les deux. Je ne sais pas ce que votre ami s'est marié et parti. Maman, ce n'est pas ça. Nous ne t'avons pas abandonné. Maman, tu sais qu'on n'a pas un travail et cela nous affecte après nos études. Nous sommes désolés. Cela nous ne plaît pas. Nous sommes vraiment désolés. Ne vous inquiétez pas. Le travail va venir. Amen. Mais je crois que vous déposez les cils et ça, hein? Ah, maman. Oui, maman. On le fait. Nous l'avons fait, oui, à l'école secondaire. Mais ils ne sont pas prêts pour nous engager. Tu connais très bien la situation que nous passions ces derniers temps. Ils n'engagent que les personnes qu'ils connaissent très bien. C'est ça le plus grand challenge. La corruption ronge notre société au point que quand tu es juste un homme ordinaire, tu ne connais personne, tu ne sauras survivre. Ce n'est pas que notre gouvernement ne travaille pas haut. Il y a plein de jobs. Mais nos politiciens n'accaparent au but de donner aux leurs. Mais ne vous en faites pas. Dieu vous fera grâce très bientôt. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Hey, maman, pardon. As-tu parlé avec Janet? Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Là, c'est quand elle m'avait appelé ou c'est quand moi je l'ai appelé au téléphone. Tu avais parlé avec elle. Maman, peu importe. Oui, je parlais avec elle il y a deux jours passés au téléphone de son mari. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à son propre téléphone? Ça, je n'ai pas demandé au... Ok, maman, ce n'est pas un problème. Mais maman, pardon, on a vraiment besoin de parler avec elle. Peux-tu nous passer le numéro de son mari? Oui, oui, elle a raison, maman. Bien sûr, pourquoi pas. Attendez. Tenez, le numéro est là. Maman, quand tu avais parlé avec elle, j'espère qu'elle allait très bien, n'est-ce pas? Oui, elle est très en forme. Ne vous en faites pas, C'est tour à tour, votre tour aussi arrivera. Amen. Amen. Si tu finis, je vais aussi prendre le numéro. Hey, maman, dis-moi, où es-tu en train de partir? Oh, mais je vais lui donner à l'un maman, merci beaucoup. Okay. Oui, l'un de mes amis voyage pour la ville. Je vais l'envoyer à Janet. Oh, maman, je peux vous aider. Vous faites quelle route? On fait quelle route? Très bien. Okay, ah, maman, c'est bon, j'ai fini. Merci. Et ne faites plus ce que vous avez fait. Maman, hein, vous sortez, non? T'inquiète pas, on reviendra. Es-tu sûre de bien fermer la porte? Il faut venir me voir d'accord. De temps en temps. Allons-y, maman. Pour moi, j'ai beaucoup manqué. Il faut venir me voir. C'est 5 000 Naira. Et toi? C'est toujours 5 000. Oui. Ce type est fou. C'est pas comme ça qu'on s'est attendu. Cet homme n'est pas sérieux. Comment vraiment on peut expliquer ça, hein? N'est-ce pas, toi et moi avons fait le même travail? Dégage. Mais pourquoi il me donne 5 000? Bouc, idiot n'importe quoi. Ça va. Même si c'est vrai que c'est toi qui as plus travaillé, tu te plains parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas lu la parabole de Jésus dans la Bible. Il a dit que aux gens, il y a des gens qui étaient venus très tôt, à 6h du matin. Certains étaient venus à 8h du matin, et d'autres à 11h du matin, et d'autres aussi à midi. Certains venus à 13h. Il y avait aussi certains qui étaient là à 16h. Il y en avait même qui étaient venus à 18h. Mais quand il veut les payer, il leur a payé le même montant. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pasteur Emeka, tu oses. Le jour où tu vas encore me provoquer comme ça, je vais te gifler. Et je vais voir si tu vas continuer encore. Tu dis toujours n'importe quoi. Toi, tu me provoques, toi. Tu me provoques. Tu me provoques, hein. Écoute un peu vraiment ce que tu es en train de raconter. Tout ce que tu dis, ça n'a pas vraiment de sens. Tu sais pas, quand je viens travailler ici, c'est pour chercher de l'argent. Même si on me paye au délai, est-ce que c'est un problème? N'importe quoi. N'est-ce pas toi qui viens me dire, oui, tu viens me dire, aide-moi, demain je vais beaucoup travailler. Viens m'accompagner chez Maman Getty, on va travailler pour elle et on aura beaucoup d'argent. Ne dis pas ça, là je suis fatigué. Ne parle pas de ça maintenant, je suis fatigué. On va faire ça demain, non? Pourquoi mentionner ça aujourd'hui? Emeka, tu parles beaucoup, Emeka. Emeka, t'es vraiment paresseux. Tu as fait quel travail pour dire que tu es fatigué? Vraiment, Emeka, tu oublies que tu as beaucoup de tâches. Emeka, tu oublies qu'il te faut de l'argent? Tu oublies qu'il te faut de l'argent pour acheter une voiture pour Cindy? Tu oublies que tu devras faire beaucoup d'argent pour donner à Cindy? Et tu dois l'épouser? Écoute, tu n'es pas normal, toi. Je l'achèterai dans les plus brefs délais. Ouais. Oui, maintenant tu commences à bien réfléchir. Oui, alors je pense que... on doit aller chercher Maman Getty. Écoute, comme ça, on va travailler pour elle. Je ne suis plus fatigué. Je t'ai dit. Maman Getty. On ira travailler pour Maman Getty. Oh, ben oui. Maintenant, tu commences à bien réfléchir. J'aime quand tu avances tes arguments raisonnables. Maintenant, on va faire ceci. Quand on va travailler pour Maman Getty, on finit. On va aussi travailler pour Papa Getty. Après Papa Getty, on va aussi travailler pour Igwe Getty. On va aller travailler pour Maman Getty.
après maman Nketi, papa oui. Nketi, après papa Nketi, papa Nketi, Igwe Nketi, tous Nketi Nketi, argent argent. Je suis partant. Ta, écoute-toi. Ouais, ouais. Tu joues le jeu. Toi, Emeka, tu sais, il n'y a que toi qui le fais bien. Grand joueur. Tu es sérieux? Idiot. Idiot, qu'est-ce que tu penses faire? Sans effet. Tu es malade. Sans effet. Sans effet. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es en train de faire où? Es-tu malade? Idiot. Attention, ne fais plus jamais ça avec moi. N'importe quoi. C'est vraiment toi qui m'insultes. Emeka, c'est toi qui m'insultes. Emeka, pense que je te regarde. Emeka, le jour où je vais te frapper, ne regarde pas ma taille. Emeka, écoute, Emeka, ne regarde pas ma taille. Emeka, le jour où tu vas encore oser dans cette ville, Emeka, je vais te frapper. Je te le promets. Je vais te frapper. Ne me tente pas. Ne pense pas que parce que je suis fatigué, alors je n'ai plus la force pour me battre. Donc, méfie. Tu veux savoir ce que je vais faire? Emeka, tu veux vraiment savoir ce que je vais faire? Tu veux savoir ce que je vais faire? Emeka, je vais te frapper. Emeka, ne me pousse pas à te faire du mal. Je vais te trancher, toi. Bébé. Emeka. Cindy, bébé. Cindy. C'est bien, c'est doux. C'est ce que j'ai pu gagner aujourd'hui. Well. Oh, Emeka, mon amour. Emeka, mon amour. Cet argent est trop idiot. 10 000 seulement. C'est trop énorme. Oui, non. Regarde, Emeka, je sais que tu peux travailler très dur. Parce que tu dois apprendre comment travailler. On a besoin d'argent. Beaucoup même. Dans ce cas, je vais augmenter mon énergie. Ouais, tu vois, j'ai pu travailler dans deux champs aujourd'hui. La prochaine fois, je vais, à partir de demain, je travaillerai dans 10 champs à cause de toi. Oui, je sais que tu peux les faire. Tu sais, Emeka, quand je te regarde dans les yeux, je ne vois que de l'argent. Tu feras beaucoup d'argent. Merci beaucoup de croire à moi. Oui. Écoute, je te rendrai fière. Je sais. Aïe, mon homme fort. Aïe, mon lion, Emeka. Emeka, prends, va manger. Mange une bonne nourriture. Va chez Maman Getty. Tu connais son goût, non? Ne mange pas les riz. Mange au goût pour que ça te donne la force et que tu travailles. C'est ça. Laisse-moi garder ça. Hein? Papa était sorti. Es-tu sérieuse? Il sera bientôt à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Emeka. Tu sais que tu es un bon garçon, non? Et tu sais que c'est pas bien de le faire avant les mariages. Tu sais que c'est un péché. Donc sois à l'aise. Après les mariages, on le fera. Hein? Je sais que tu peux les contrôler. Hein? Sois tranquille. Oui. On les fera après les mariages. C'est pourquoi je t'aime. Emeka, mon amour. Mon chéri. Mon guerrier, mon lion Emeka, mais c'est bien. Pour cela, tu peux maintenant aller manger. Oui, mets ça comme ça. Quand tu finis de manger, tu pourras revenir ici. Au revoir. S'il te plaît, dis-moi, pourquoi tu m'as appelé? C'est quoi? Mon amour, mon bébé. Écoute. Tu sais, je t'avais fait une promesse. Je suis comme ça parce que j'ai une surprise pour toi. J'ai une surprise pour toi, mon amour.
bouche. Une surprise, mon amour. Quelle surprise. Cette bouche n'est pas vue d'eau. Cette bouche a des choses à te dire. Ah. N'est-ce pas, chérie? Laisse-moi te dire une chose. Moi, ton futur mari, je suis là. Tout ce dont tu auras besoin, moi, je suis là. N'importe quoi. Laisse-moi tranquille. Tout ce dont tu auras besoin, mon bébé. Ah. Mon amour, voilà le résultat. Ah. 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 C'est ça la surprise. 10 000. 10 000. Oh, oui. Oh, chérie, arrête ça. Je n'aime pas ce bêtise. Oh, 10 000, c'est peu, non, chérie? C'est insuffisant. Je vais faire quoi avec cet argent? C'est trop peu, s'il te plaît. Oui. Pourquoi ça? Oh, oui, je sais que c'est peu. Mais bien sûr, pourquoi non, 10 000? Je sais que c'est peu. Je suis fou pour te donner 10 000. Ah, je pensais que tu as perdu la tête. Mais alors? Tu vois, je promets que je vais t'acheter les vêtements. Je sais. Et je promets encore, je vais te donner l'argent pour tes cheveux. Bien sûr. Et surtout, d'ailleurs, quand je regarde ta tête, je sais que même quand tu n'as rien, tu seras toujours jolie. Alors, je vais te donner l'argent, tu ne mettras rien sur la tête. Je sais que tu blagues. Je sais. Je sais que oui, toi, mon amour, je suis en train de blaguer. Je sais. Oui, ne te dérange pas, mon amour. Ne te dérange pas. Je vais encore te donner l'argent. Tu vas vraiment arranger tes cheveux. Oui. Encore une autre surprise. Ferme juste tes yeux. Que je ferme mes yeux? Oui. Oh. Oui, ferme okay. tes yeux. Et tends ta main. Mes mains? Oui, ta main. T'entends bien. Comme ça là? Oui, je vais juste te dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup au fond de ma tête. Désolé, au fond de mon cœur. Je sais, mes mains sont là. Wam! 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 Qu'est-ce que c'est ça? Mon corps a tremblé. C'est vrai? Ça, c'est peu. C'est peu. Pas la peine de le compter. Pas la peine de le compter. Ça, c'est 20 000. Garde-le. Garde-le. Quelqu'un peut te voir. Garde-le. Ok. Tout ça pour moi, chérie. Oui. Oh, chérie. Tu vois ce mariage? Ça sera chaud. Bien sûr. Ça sera chaud. N'importe tu quoi. Sais, l'argent résout Quelle les bêtises. Bêtise. L'argent répond à tout. Ah oui. L'argent arrête la pauvreté. Oh, chérie. Alléluia. C'est une bonne chose, tu sais. Je t'aime. Moi Attends. Aussi. Tu veux dire que tu fais cet argent juste cette semaine? Oui. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis? Oui. J'avais beaucoup okay. d'argent. Beaucoup d'argent. Et j'ai emprunté une partie auprès de mon ami pour ajouter et te rendre heureux. Tout ça pour moi. Tout pour toi. Je l'ai fait pour te rendre heureuse. Tu es mon amour. Ma chérie, je suis comme ça. 40 000 Naira. Écoute, si je travaillais, ça serait mon salaire. Mais je l'ai eu en une journée. Juste comme ça. Je te dis, ma chérie, juste comme ça. C'est comme une blague. Ma chérie. Nous l'avons. Et nous l'avons eu très bien, je te jure. Je te dis. Vraiment? Tu sais, si ces garçons continuent de nous donner de l'argent ici, on n'aura pas de problèmes dans le futur. Bien sûr! Hey. Ma chérie, j'espère que je n'ai pas oublié mon slogan. Utilise-le avant qu'il puisse t'utiliser. Mauvaise fille. Correct! La manière dont tu comptes l'argent de Kenny, je pense que tu l'es fait aussi pour ton mariage. Car cette fois-ci, par la force et par les faits, Kenny va te fermer avec la corde. Il va te fermer très fort, je te dis. Ma chérie, écoute... Ce sont tes pensées. Lorsque cela arrivera, je vais porter cette croix. J'ai plusieurs façons, non? Mais tu sais que ces garçons ici travaillent très dur. Oui, bien Imagine sûr. Imaginez, Meka. Et qui a dit que les femmes n'ont pas les pouvoirs? Ah, nous avons les pouvoirs. C'est juste que si tu ne sais pas la manière dire. D'utiliser, tu ne sais pas. C'est à tu toi de voir. Mais nous encore. Avons les pouvoirs. Nous dirigeons le monde. Tu le sais très bien, ma chérie. Nous dirigeons le monde, les filles. Nous dirigeons le monde, les filles. Nous dirigeons le monde, filles. Ah, bébé, je me demande pourquoi est-ce que Dieu m'avait créé. Je comprends que c'est pour avoir tout ce que je cherche maintenant, là, le papier. Ah, bébé, franchement, oh, les choses. Waouh. Et on est en train de dire, s'il te plaît, est-ce qu'il est là? Ton père, est-il non. présent? Il n'est pas là. Il était sorti, il n'est pas là.
Mais tu sais que nos papas sont à la base de tous ces signes. Vraiment, ils ont échoué de prendre en charge leurs responsabilités, donc nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. N'importe comment, nous devons survivre, non? Exactement. C'est comme ça que mon père vivait avant de mourir. Il préférait prendre soin de veuve en abandonnant ma mère dans la souffrance, dans la douleur, dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle était morte avant son temps. Mais à la fin, qu'est-ce qui était arrivé? Il était aussi mort. Et ce qui est pire, il ne m'a rien laissé. Absolument rien. La même chose qu'avec ma mère. Et mon père continue de prendre en charge toutes les vies jusqu'au jour. Rita, tout ce que je sais, on va y arriver n'importe comment. Oh oui! On ne passera jamais ce que nos mères ont vécu. La vie n'est toujours pas se marier, avoir des enfants, hériter la pauvreté. Parce qu'il n'y a rien qui ne peut hériter par la pauvreté. Oh, comme je viens de le dire. On va y arriver. Si j'ai une proposition pour le mariage, je veux le faire. Mais avant cela, je dois travailler. Je veux impacter. Je veux changer. Tout le monde entendra mon nom. Oui. Rita. C'est juste une émotion. Nous devons arrêter ces émotions. Nous devons appeler Jeannette. Pardon, appelle, je n'ai pas des émotions. Ça va. Qu'une bonne humeur revienne. Bon, ça va, je suis là. Qu'on appelle notre bébé. Nous dirigeons les mondes, les filles. Attends, ça sonne. Derrière. Allô? Allô? Jeannette? Allô? Pardon, qui est-ce? Ha! C'est Rita, l'amie de Jeannette. Aïe, réseau. Allô? Je ne vous entends pas. Qui est-ce? C'est Rita, l'amie de Jeannette. Je pense que vous avez trompé de numéro. Ah ah. Qui c'était? Je ne sais pas. Je ne peux même pas bien entendre ce que la personne raconte, mais je pense qu'elle s'est trompée de numéro. Elle s'est trompée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ne dis pas qu'est-ce qu'elle a dit. Un homme a décroché et il a dit que c'est un mauvais numéro. Mais je suis sûre que c'est la voix de Chiki. C'est la voix du mari de Jeannette. Ah ah, pourquoi a-t-il menti? Attends. Attends. Attends, je ne comprends pas. Ça signifie que Jeannette nous a abandonnés. Comme... Ah, ah. Et puis elle n'est même pas sur Facebook. Qu'est-ce qui ne va pas? Rita, tu vas souffrir. Tu vois ces gens, juste avec le peu d'argent qu'ils font, juste un peu d'argent. Ils se sont mariés juste quelques jours ici. Et elle a oublié ses amis. Jeannette n'est pas ici. C'était un mauvais numéro. N'es-tu pas surprise? Non, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond pas? Où est-ce qu'il est? C'est quoi? Salut, bébé. J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone était éteint. Et pourtant, hier soir, je l'avais chargé. Pourquoi tu l'as éteint? Oh, ça, je suis désolé. Je ne l'ai pas éteint. J'ai changé ma carte SIM. Tu as changé tes SIM? Ouais. Pourquoi? Bébé, tu sais, je suis un homme marié maintenant. Je dois changer mon style de vie. Rappelle-toi que tu as changé le tien aussi. Donc, c'est bon que je change ma carte SIM.
tu ne cesseras pas de m'étonner. Peu importe. Comment était ta journée? Ah, je vais bien. Je suis très heureux. La journée s'est bien passée au travail. Et de ton côté? Ennuyante. J'étais seule à la maison. En train de lire, lire et relire. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Bébé, j'aimerais te parler d'une chose. Qu'est-ce que c'est, chérie? C'est au sujet de tes études. Je veux que tu reprennes le cours. Tu dois quand même être à niveau. Non, ce n'est pas possible. Comment puis-je retourner à l'école? Mon cerveau ne peut plus bosser les livres. Je suis trop vieux pour retourner à l'école. Par ailleurs, mon business est très important pour moi. Si je dois laisser mes affaires et retourner à l'école, mes garçons vont dilapider mon argent. Dans ce cas, bébé, apprends-moi ton business. Comme ça, je serai là et ils ne pourront pas t'y voler. Qu'à Dieu ne plaise d'apprendre les affaires pour que mes voisins de là te regardent n'importe comment. Écoute, faut pas même que j'entends cela ou pense que tu arrives au marché. Faut pas l'essayer. Bébé, j'insiste, tu dois reprendre avec l'école. Même si te faudra faire le cours du soir, j'ai vraiment besoin que mon tu reprennes. Mon cerveau ne peut plus aller à l'école. Qui l'a dit? Si tu m'aimes, Jeannette. Respecte mes commandements. Salut, monsieur. Oui. Emeka. Je vais bien. Comment vas-tu? Tu vas, comment tu vas? On dit oui, que ça va. Il faut donner l'honneur à celui qui le mérite. Alors j'ai décidé de t'apporter cette boisson. Merveilleux, chaque matin, tu prends un verre, tu fais... Ouais. C'est pour moi. C'est bien fort. Tu le prends vraiment, merci beaucoup. Bien. Tu me l'as vraiment amené. Ouais, pour toi. C'est cadeau. Merci beaucoup, ça c'est l'une des choses que j'aime chez toi, mon fils. Merci beaucoup. Oh, Emeka, merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, et puis, disons que c'est l'une des choses que j'aime chez toi, mon fils. Je suis heureux, très heureux. Mon bonheur est de rapprocher d'un accomplissement. Parce que je vois que vous devenez de plus en plus... Hein, vous devenez de plus je en plus content. Proche chaque jour. Maintenant, ouais. Vous vous habituez ouais. L'un à l'autre. Tu sais, vous devenez de plus en plus proches. Papa, elle a changé. Oui. Ouais. Oh, elle a changé. Mais je te l'avais dit. Je t'avais dit au début de te calmer. Parce que hein, les femmes sont comme ça. Je t'avais dit de te calmer. C'est toujours comme ça avec les femmes. Hein? Je t'avais dit qu'elle finalement allait changer. Tu as vu. Et tu sais, c'est pourquoi tu peux te sacrifier. Et la chose que tu utilises pour faire le sacrifice ne peut jamais être la même chose. Merci beaucoup. Merci. Oui, tu sais quoi? Même sa mère était plus vraiment? Dure qu'elle est. Oui, je me rappelle, je devais me calmer. J'ai pris mon temps patiemment. J'ai essayé de la faire réfléchir. Wow. Et puis elle est devenue wow. Une merveilleuse femme. Oui. Ouais, ouais. Voilà, maintenant vous vous amusez. Merci beaucoup. Et Meka, mais je vais te dire ceci. Je vais faire avec ma fille. Écoute, papa, s'il te plaît, j'ai vraiment prudent. Ah, moi, qui suis-je dit de se voir, c'est ce rôle-là. Il y a rien de ce que je ferai dans cette vie. Ne te décevrai jamais. Écoute, je ne peux jamais te décevoir, monsieur. Tu m'as compris. Mais très bientôt, nous allons devenir époux et épouse. Et puis, tu vas nous donner ta bénédiction. Je suis impatient de voir ces jours enfin se réaliser. Oui. Merci encore. Je t'en prie. Où est-elle? Quoi? Non, elle est allée à la ferme. Elle devrait pas aller au champ. Eh non, c'est moi plutôt qui devais faire les activités agricoles pour elle. Ah non. Écoute, c'est moi plutôt qui devais faire les activités agricoles pour elle. Elle ne devrait pas aller au champ. Dis-moi, lequel des champs est-elle allée? C'est la ferme qui est juste... Ok, à côté de la rivière, là-bas. Oui, oh, papa, oui, d'accord, j'arrive. Non, Emeka, viens, j'ai quelque chose à te donner. Viens, Emeka, viens, Emeka. I cry my love for you. Ah, j'aime bien.